Et l'Occident, les États-Unis, après le 11 septembre 2001, j'étais invité mal en conférence, et ça m'a soutenu et mémoire moi en administration publique. Et m'a traité question de la nécessité de coopération des pays occidentaux pour combattre le terrorisme. Maintenant, m'a parlé en conférence sur ça. Maintenant, les mouvés. Je t'ai invité moi à la conférence, hein, so, laisse me faire absoute, sinon, ma fini master, moi, ça, oui, et puis, maintenant, les invités moi à la conférence, hein, et aux États-Unis, laisse ça à Paris, ils ont invité moi à la conférence aux États-Unis. Maintenant, attendez bien, il y a un plus gros problème que je constater, c'est que, sous panel là, pendant nous avons fait débat, nous avons fait échange, maintenant, il y a un problème qui posé. Le problème qui posé, c'est que les négros abattent pour rationaliser le comportement des djihadistes. Maintenant, il y a un problème quelque part. Parce que les nègres abattent pour essayer de comprendre fondement et qui rationalité qui cachait derrière le comportement yon djihadistes qui levait un bon matin et puis qui dit qui met une bombe sous lit et puis qui entre dans l'avion qui explose l'avion et puis automatiquement il finit exploser l'avion et puis il dit il prend 72 vierges dans le ciel. À la pral bal 72 vierges. Maintenant, si yon nan difficulté qui te gagne sous table, ok? Yon nan difficulté qui te gagne sous table, c'était l'incapacité que m'te observé. C'est le constat que moi-même j'ai fait pendant sous table conférence. C'est le premier constat m'te fait, c'est que ces difficultés que nèg te gagne, tous les experts en matière de sécurité internationale, t'es gagné pour être capable de comprendre le fondement qui cachait derrière le comportement de l'agneau. Et pendant qu'il n'y a pas qu'à comprendre le fondement, mais le vrai problème, ce n'est pas notre comportement djihadiste. Alors, c'est là la problématique. Le problème, non, c'est nos outils que l'agneau a utilisé pour comprendre le comportement djihadiste. Maintenant, je dis, l'agneau, faites attention. Mais comme dit Nego, faites attention. Nous pas qu'à essayer à comprendre et comportement djihadiste, non? Avec la raison. Maintenant, nous dit là où est en victime de yon euro, ça aurait été yon occidentalocentrisme de la pensée. Nous dit, faites attention. C'est gros problème qui gagne là. Le problème, c'est que nous victimes tout ça que, tout phénomène, nous pensons nous qu'à expliquer phénomène, ça à partir de propre gris par nous. On dit non, il n'est pas forcément vrai. On dit pas forcément vrai. Et puisqu'on n'a pas qu'à expliquer le phénomène, ou qualifier le comportement djihadiste de irrationnel. Non, l'irrationnel pour vous en Occident. On dit la problématique, c'est que le comportement djihadiste paraît irrationnel pour vous-même. Parce que vous servez à la raison. C'est la raison qui est outil de mesure. C'est la raison vous servez comme outil de mesure. Mais lui-même, djihadiste qui a fait ça, c'est les raisons pour quoi. Lui-même, il a une raison pour lui, il a une justification pour lui. So basically, soit l'essayer, appréhender comportement djihadiste, étudier, analyser avec les outils rationnels, la raison, pour essayer de chercher le bon sens et explication à comportement djihadiste, nous bon homme. Maintenant, motivation. Djihadiste pour exploser propre tête pâle avec moun qui gagne pour comprendre ni ou pas doit aller dans rationalité non faut entrer dans l'islam non pour aller étudier Coran pour garder qui logique qui derrière Coran maintenant le regarder bien aller dans Coran dans l'islam non ou pas voir que c'est pas la raison qui gagne son croyance qui développé et croyance ça il est tellement fort, croyance ça, il est tellement puissant, que croyance n'a fait moun pas qu'à faire usage de faculté et raison. C'est-à-dire que c'est pas la raison qui a dominé moun nan. Moun qui djihadiste, ça, c'est pas la raison. Ok? Parce que la raison pas qu'à pousser moun. Si moun nan c'était être raisonnable, si c'était la raison qui t'a mené, si c'était le bon sens qui t'a mené. Ok? D'après la définition occidentale de la raison, automatiquement, nous avons dit que nègre a réfléchi pour que raison pas l'exploser tête pour l'aider des trois bousins, pour l'aider femme, pour peut-être 72 bousins, et dans le ciel.
Alors, faut nous comprendre bien. Maintenant, sortez les irrationnels là. N'en réalité pas, djihadiste, non? Sont forme de raisonnier. Et les problématiques. Parce que l'est tellement fort, l'est transcendé la mort. Alors, la limite de la raison, c'est la mort. L'être rationnel, devant la mort, l'est reculé. Parce que, écoutez, c'est normal. La limite de la raison, c'est la mort. Parce que, yon moun qui mourit pas qu'à raisonner. Maintenant, écoutez, la raison est l'esclave du temps et de l'espace. Je toujours dire un peu l'étudiant ça. Un peu le monde qui pas comprendre. La raison est l'esclave du temps et de l'espace. Pour qui raison, la raison est l'esclave du temps et de l'espace. C'est parce que ou pas qu'à raisonner en dehors du temps et de l'espace. Pour raisonner, pour réfléchir, pour produire, yon bagay, c'est dans le temps et dans l'espace pour raisonner. Maintenant, attendez bien. Parce que pas des sciences en dehors du temps et de l'espace. Maintenant, yon l'esprit rationnel, normalement, c'est dans l'espace et le temps pour le réfléchir, pour le raisonner. Maintenant, Léon est campé, il dit comme ça. Il quitte le temps, quitte l'espace pour l'aller 72 formes dans l'au-delà. C'est-à-dire, il choisit sacrifier le temps, le présent, le temporel, pour le spirituel. Si moun arrive à sacrifier le temporel pour le spirituel, ou pas qu'à rationaliser complètement moun sa, non? Pas de aucun fondement rationnel là-dedans. Parce que l'y est passé quoi sur la raison? L'y passé quoi sur lui? Ce qui est important, c'est que l'y aller au-delà de la raison. L'y quitter la raison derrière. La raison fait face à limite lui. Qui? C'est la mort. Parce que moun arrive. Si c'est, on est rationalité en Occident. Depuis où elle est mort, elle a fait bas. Et c'est toute la force de l'Occident. Et ça peut expliquer tout en quelque sorte. Comment Taliban yo fait bac américain. Et un peu le monde pas comprendre ça. Américain à l'autre bord. L'aide démocratiser Afghanistan. De façon rationnelle, vient avec des valeurs démocratiques occidentales. Mais les nègres arrivés en Afghanistan. OK? Les nègres arrivés en Afghanistan. N'est-ce pas confronté à l'autre réalité? Réalité est confronté à la raison occidentale pas qu'à cerner réalité, ça. C'est que vous rencontrez avec une autre forme de raison qui pas raison occidentale. Raison, ça, yo jeune, c'est raison taliban, yo, en quelque sorte. L'y transcender, ça y aurait l'y quitter d'air, ça y aurait l'en mort. Ça me fait nous comprendre là. La raison de l'Occident, les limiter à la mort. Parce que la raison de l'Occident, c'est les valoriser la vie. La vie ici, la vie dans le présent. C'est peut-être ça, développer la science, la technologie. Parce que c'est le présent, c'est le temps, c'est l'espace, c'est la matière, c'est le matérialisme. Et c'est ça qui fait que la raison occidentale, il y a un fondement matérialiste. Mais, les nègres qui tombent dans un Moyen-Orient, ils ont un pays tant qu'au Taliban. Raison, Mounzao. Racine, c'est pas matériel, il pas matérialiste. Raison, moun sa yo même, pour justifier action. Li métaphysique, li enraciné, nan yon l'au-delà. Li enraciné, nan yon l'autre monde. Maintenant, sou moun sa yo avec la raison occidentale, et puis ou a vin rationaliser, pensant que ou pral vin paraître à gros bot, ou pensez que nèg à gros zam, ou pensez nèg yo pè mouri, ou kakay. Raison nèg sa yo getan vek la mort déjà. Et c'est là tout le problème, non? C'est-à-dire, puisque nèg sa yon étant vek la mort, parce que yon construit yon au-delà, yon construit yon au-delà, qu'on a qui l'autre pas passé où? L'on pense yon pral vin sou nèg, l'on pense nèg la pral paix, ou kaka, hein? Nèg la yon vek la mort déjà, la plein monde, oui. Bon, le nèg la mouri, nèg la yon la mort pour lui, c'est yon passage pour la jouir. Bon, qui rationalise ton pral jouen? Face à yon nèg, qui est en djou, qui croit que, depuis le mourir, le brajoun 72 femmes, en l'air à la, qui rationalise le brajoun? Ou pensez que ça peut mourir? Même j'ai avec, ou même en Occident, qui a raisonné? Ou pensez que ça matérialise, même j'ai ou kakaï? Et c'est ça qui veut, États-Unis, en Afghanistan. Taliban fait 20 ans à foutre négo.
Taliban yo mouri, c'est vrai. Nèg yo mouri, c'est vrai. Mais nèg yo mouri, papa. Ou pas qu'à expliquer rationalité qui derrière l'homme, nèg yo. C'est, dis-je le problème. Maintenant, ou obligé payer, ou obligé payer un soldat américain pour la bataille, pour la patrie. Ou obligé payer un soldat américain, balle technique, pour la bataille l'autre bord. Il quitte madame ni derrière, il quitte petit ni derrière, l'elle prend la bataille, il y a une raison pour la bataille, raison c'est qu'elle gagne madame, il prend la bataille pour américain, il prend la bataille pour la démocratie, il prend la bataille pour ceci, il prend la bataille pour le pays, il prend la bataille pour la patrie. Les talibans bataille grand monde. C'est pas pour femme derrière la bataille, non? Li pa mouri, l'el mouri. Taliban. C'est pour aller à la bataille. C'est ça où il est la guerre juste. C'est pour aller à la bataille. Son l'autre rationalité lié. Alors, ou même en Occident, il est irrationnel. Ou il est irrationnel. Ou il est irrationnel. Mais lui même c'est pour, ou pas la puissance qui vient là-dedans. Li gen puissance vraie. Et puis faut que ou même oui. Parce que logique, l'aldé est logique, li gen la donne. Cohérence qui gen dans comportement. Ou en nègre la li même, c'est un croyant, c'est un foi qui a mené nous. Et foi, ça li en li invincible vis-à-vis de la mort. La mort va faire le paix. La pote est bourrée. Quand on va le dire, c'est pas. Non, nèg sa yo, yo ba, eh ben, c'est ça fait le gain, yo gain guerre. Américain obligé, bah, ça. Parce que sous quoi, pense que c'est américain. Suppose que c'est américain avec Afghanistan qui t'a bataille ou Kaka avec Taliban. Non, c'est deux formes de vision du monde qui t'a bataille. C'est deux formes de rationalité qui t'a bataille. C'est deux formes d'approche du monde qui t'a bataille. Et, yon montre qu'il est pire résistant que l'autre là. Géon qui montre le pire résistant. Le pire dans tout ça. Ou quand ça fonni, hein? Américain allé ou quitte Zamyodè. Réfléchis en seconde. Amérique était venu à Zam pour faire Taliban paix. Amérique saisit ou est puissance qui gagne dans façon de bataille. Après un démon de là. Amérique levé, marie paquet li, li tourne. Zam ni était venu avec la pour te faire nègre paix. Amérique quitte le pour nègre. Amérique quitte le pour nègre. C'est comme si on est venu à Zam pour faire paix. L'elrive, li jenon zam, ou genan brenou. Et puis, nèg la leve, le kouri. Li kite zam, li te vin pou fopre. Ouè kaka. Ça veut dire, la puissance, t'as de bien ça m'a dit là. La puissance de la foi, de croyance, taliban yo, li surpasse technologie occident.